fous. Allez, achève-la. Recharge. Achève-la. Arrête ça. Bon. Delbar, Vincenzi, vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Merci. Lieutenant Pagesti, un proche de Jeannin. On se connaît? Je parle pas à ces types. Écoutez, je sais que ce que je vous demande est très difficile, mais croyez-moi, on n'a pas le choix. Si on veut se faire entendre, la seule solution, c'est de leur dire ce qu'a vécu Ben. Tant qu'il sera en liberté, ils nous écouteront pas. Trouvez-le. Je veux plus d'autres victimes. Eh ben, c'est pas une victime. Bon, écoute... Écoute quoi? Tu te crois au commissariat? Mets-moi en garde à vue, poulet, si tu veux. J'ai l'habitude. Ben... C'est des flics qu'il aurait dû buter. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce que je lui propose. La cible du contrat, c'est moi. Alors si tu veux te venger de la société, la justice, de la police et tout le bordel, bah c'est le moment. En plus, c'est gratuit. Profites-en, des occasions pareilles, t'en auras pas deux. Tiens. Prends. C'est que t'as appris ça, toi. Au front. On t'a cru mort. Il a fallu qu'on vive pour Rolia. Je ne savais pas que Nina était enceinte. Pendant que tu faisais ton bouffon, j'ai fait mon devoir, monsieur. Ce pays, je l'aime autant que toi! T'as intérêt d'aimer notre pays, avec tout ce fric qu'il t'a rapporté. Après ton départ, ta mère est morte de chagrin. Je lui rendais visite tous les jours à l'hôpital. Toi, t'étais où, toi? C'était où? Ben, c'est avec ce fric que j'ai payé son cercueil. Et c'est avec ce même fric qu'aujourd'hui, le bouffon, il élève ta fille! Tu veux pitié de ton âme? Elle est où ta mère? Volodia. Pars. Si je pars maintenant, demain t'es mort. On ne peut plus revenir en arrière. Pars.